Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, la dynastie des Junia. Ah, on avait fait fuir quelques troupes libyennes par là-bas. Est-ce qu'ils peuvent prendre 10 midi? Bonne question. Au cas où, c'est quoi par pure précaution? Ah, alors. Julia. On va pas dépenser du fric pour eux, faut pas déconner. Hein. Par pure précaution, on va recruter un général là-bas qui va recruter tous les mercenaires du coin. Voilà. On va même les équiper. Oui. J'ai fait le dioptre. Ah oui, brique cuite. Ah oui, non, ça va m'avait accéléré. Ça m'accélère les chaînes de construction. Il me semble que là, je pouvais y aller, non? Je peux en dire comme ça, oui. Bonjour, bienvenue à Sidamus. Mais juste à la capturer. Ah oui, il y avait personne. D'accord, ils ont même pas réaménagé. Ils en ont rien eu à foutre, quoi. Ok. J'ai que ça à dire, ok. Ici, on va se remettre en marche normale. Direction Lepsis. Voilà, je vais continuer à faire une embuscade. Là-bas, est-ce que j'ai recruté? Oui. 8 tours. Bon. On va aller direction Tapsus. Ah, 6. Ok, c'est déjà mieux. Alors, ah oui, si, je cherchais à recruter une espionne. Toujours pas, hein. C'est problématique. Là-bas, j'ai bingo. Mon vétéran que j'avais oublié pendant tout l'épisode précédent, voire même celui d'avant. Bon, c'est bien. Il fait des dégâts. Ouh, 77 d'expérience. Pas loin. C'est quoi ça? Oh, il y a rien à fichtre. Je crois que j'ai fait le tour avec le reste. Hein. J'ai pas des troupes qui sont en train d'être recrutées à Rome. Tout à fait. On va la laisser à Rome au cas où. Au cas où. Non. Ouais, si, je pourrais en recruter une autre, mais pas de suite. J'en ai déjà 3 là qui. Ils sont en Afrique. Ah oui, c'est vrai. Là, je vais envoyer mon vétéran pour entraîner ses troupes. On va voir si on me dit, ok, rapport de construction, entourage grandit, ok, ouais. Alors bien sûr, on va vouloir augmenter notre culture parce que bon. La culture du désert, c'est pas que j'en ai pas grand chose à... J'en ai totalement rien à faire. On va s'approcher petit à petit. Voilà, en même temps qu'on fait notre constitution. Et là, d'ici un ou deux tours, je devrais pouvoir arriver. Parce que là, on est d'accord, on n'y arrive pas en un tour. Ok. Ah oui. Ça va être quoi ici? Tiens, on va faire une colonie commerciale ici. Hein. J'aime bien aller. Pour changer, quoi. Parce que, bon. Forum public. Ça va être agrandi plus tard que la province, donc tant qu'à faire. Voyons voir, mais toujours pas. Moi, à mon avis, il ne doit pas y avoir. Je vais voir, si je tombe sur un qui est un peu intéressant, je le ferai aussi. Mais si c'est pas celui que je le veux. Celui que je veux. Ok, normalement il va même monter de niveau lui. Ouais. Bien joué à toi. Ok. Il va devenir agitateur. Rallier les esclaves.
Accès. Non, 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 bah non, t'as toujours pas compris, toi. Je vais voir si il me propose pareil quand je l'aurai pris l'Africa et que je lui laisserai la Tanzanie. This is an ambush. Ouais, ouais, mode équilibré, très bien. Là, il va être un petit peu déçu, quoi. Quelques pertes au niveau des unités de chiens, c'est pas un problème. Tu vas se faire quelques esclaves, tiens, ça va changer. Mais là, autant dire, il est déçu, hein. Il est très déçu. Et puis à l'abri d'une sécession, ok. Bon bah on remarche arrière, hein. Écoute. Je crois qu'il n'y a pas trop le choix. Et elle est où la route? Voilà. Je vais pouvoir les dissoudre. Lui, est-ce que j'y arrive en un tour? Ah, j'y arrive pas en un tour. C'est triste ça. Ah! Salut à toi. Dis donc, je vous avais presque oublié, les gars. C'est pas de bol quand même que vous soyez sur le chemin. Hein. Ouais. On veut pas de captifs. Ouais. Redoutable combattant, c'est parfait. Commande en infanterie. On passe en embuscade. Là aussi, pas grave si la ville tombe. Là on avance, on va faire le blocus de Epsis. Je vais pas le faire en réseau, même si ça passait. Je vais juste faire le blocus et attendre un peu. Allez, est-ce que je peux recruter... Ça existe donc. J'ai eu tout ce mal pour ça, c'est bien. Plus 2 de nourriture volée à la province locale. Comment tu t'appelles? Espion. Non mais tu t'appelles comme tu t'appelles un nom quand même. Tu t'appelles Espion. Fabia Tubula, Fabia Tubula, merci. Fabia Tubula. Très content de te voir enfin. Ah là 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 là, je la demanderai presque en mariage. Hein. C'est exactement ce que je cherchais en fait, la nourriture volée. Et je me disais, bon bah ça existe pas pour Rome. Bon, c'est un malentendu quoi. Eh mais si, ça existe bien. C'est juste que je n'avais pas de chance. Oui, et toi, Songundus Munatius Galeo là. Tu vas rallier les esclaves. Notre champion rallie les esclaves. Inciter les esclaves à se révolter, très bien. Ça fait baisser l'ordre public. Et si c'est un coup critique, je sais pas comment ça s'appelle d'autre, une réussite critique. Ça fait pop 20 unités d'esclaves comme ça, c'est trop bien. Non, tu repars. Embuscade, mais ça fait 3 embuscades presque au même endroit, hein. Il apprend pas beaucoup ses erreurs lui. Il abuse hein, quand même. En tout cas c'est bien, ça me permet de donner de l'expérience à mes unités de... d'artillerie. Hein. Ok, j'ai 2 enfants qui sont nés. J'aime beaucoup. Là, si je fais rallier les esclaves, là il y a 10 d'ordre public et si ça marche. Ah voilà, 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 un succès critique. Comme je vous en parlais. Par contre, ils peuvent venir chez moi. Ouais, ils ont tendance à être un peu cons les esclaves, ils se révoltent pas forcément contre leur maître, mais des fois contre d'autres. Bon, pas ouf quoi.
Ok, on va faire ça. Ça, du coup, ça change. Ça, c'est bon. 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 Le gardien des poulets prophétiques nous informe que les volailles ont mangé de bon cœur. Signe évident que nous avons la faveur des dieux. Waouh. On sacrifiait moi un mouton, un taureau blanc, allez. Waouh, pour des volailles, quoi. Allez, on va sacrifier des taureaux pour des volailles. T'es pas assez âgé, toi, pour te marier, c'est dommage. Il s'est barré là-bas. Hein. Je sais pas si c'est celui qui venait de là ou. Bon bah on va avancer. Hein. L'avancée dans le désert elle est longue par contre. Hein. Aïe aïe aïe. Allez direction Lepsis. Leur évolution en mode protection ça devrait largement suffire. Hein. Oui, ils ont quelques petites troupes de garnison mine de rien. On occupe. Merci d'avoir gardé la ville au chaud. Ah, ça nous donne masse de nourriture en plus. Ça, c'est vraiment super. On s'en fiche et ça aussi. La suivant. Direction Macomad. C'est qui ici? Les Cimériens. Les Cyrénaïques, pardon. Les Cyrénaïques sont toujours en vie. Les Cimériens, n'importe quoi. Et qui, y a pas grand monde, mais bon, la résolution auto, trop de pertes. Hop, maintenir le blocus, on va faire comme tout à l'heure. Là, on peut avancer. J'ai déjà fait mon action? Ok. T'as pas bougé, toi, hein? J'ai pas l'impression de t'avoir vu bouger. Hein. Chez les Arvernes. Action Nemosos. Ça lui faire découvrir du terrain en plus, c'est vraiment une bonne chose. L'espionne va découvrir des villes. Elle a retiré du brouillard, comme on dit. Les poulets ont parlé. Ah ouais! À Midgol. Donc à Midgol, il y a plus de richesse sur l'agriculture et plus de croissance. Ouais, pourquoi pas. Hein. Ah, j'ai toujours pas la portée. Quel dommage. Les petites embuscades. Ah, j'aurais pu éviter d'aller trop loin. Est-ce que là, en courant, je suis à Lepsis? Non. Moi non plus. Mio. À nos hommes, bouge, please. Comment puis-je vous aider? Oh oh. Oui, c'est barré. Ah, mais. Ah, mais ils sont où? Bah. Ils sont où les esclaves? Quel niveau lui? Ah 3. Je sais pas quel niveau il est. Je vois même pas où est-ce que sont les esclaves. Je me suis fait C'est ni là-bas, ni ici, je sais pas. Ah si, ils ont perdu. Il doit être dans le coin là, ils doivent être genre un peu planqués. Attendez, je vais aller voir. Bonjour, je viens juste jeter un oeil s'il vous plaît. Hein. Eh ouais, voilà, ils sont là. C'est pas censé faire pop une armée de 20? Ils sont que. Bizarre, 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 bizarre. Ça dépend peut-être les niveaux de difficulté, les machins, les trucs. A voir. Voilà, on va au nord de Massilia.
On remonte le Rhône. Marcomment, pourquoi ça a été tout long le tour de Marcomment? Brique cuite, triomphe, encore? Mais j'ai rien fait pour mériter le triomphe. Ça me rapporte quoi ça? Moins de coups, ok. Hop, excusez-moi. Ok, toutes mes excuses, petit imprévu. Tellement imprévu qu'on est le lendemain. Alors, j'ai une techno qui est terminée, je sais même pas laquelle. Peut-être ça, on va dire. Institution légale, plus de taux d'imposition, plus d'ordre public, moins de corruption, ça peut aider. Ça peut bien aider. Voyons voir, allez. On va continuer. Ensuite, il n'y a plus de révolte d'esclaves. Il a combattu, ok. Oh, il a gagné un niveau. Bien. Oui, agitateur, impeccable. Ah, il y a les psys. Oh! On va faire un aqueduc. Et là, on était direction Macomad. Très bien. Est-ce que là. Oui, j'ai la portée. Oh, bah là, il va pas être dessus. Hein. Bonjour. Comment allez-vous? Ça farte. Direction les psys et avec eux. Direction Garama. Ils sont 8. On va faire le siège. Ils ont du mal à résister à des sièges. Ils sont 8 ici. Hoplite carthaginois. Cavalerie carthaginelle. Peltast. Et ici. Ils ont un endroit pour lever des troupes, mais bon, pas plus que ça. Voyons voir. Expansionniste, pas du tout. Oh, je m'entends pas bien avec les Arvernes. Oh. Et si on commençait à se méfier? Et si par hasard on pouvait. Non, je peux pas. Je peux pas. Je peux même pas en recruter un. Claudia, Julia. Ok. Ah, risque de sécession 4%. Gens Claudia. En Carthaginensis. Oui, c'est bon. C'est tout bon. À votre service. Hop là. Toi, c'est vrai que je t'avais demandé d'aller là-bas. Vite. Oh, il y a les Marcomans qui sont à Bibracte. Eh ben. Vache, ils en ont de la troupe ici. Ah ok, ils se tapent contre les Marcomans, très bien. Moi ça me va. Comme ça il viendra pas sur ma tronche. Ou alors s'il vient sur ma tronche, il va vite se faire pourrir donc. Ouais, là il tente le tout pour le tout, je refuse. Et là il sort bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a évié, hein. On menait la bataille sur le champ. Hop là, excusez-moi. Un petit truc. Ouais. Voilà. Navire d'artillerie
classique, hein, vous connaissez. Les renforts, ils viennent d'où? Ouais, ils doivent venir de derrière. Là-bas. Je pense, vu qu'il y a la ville qui est là-bas et les renforts, ils viennent de la ville. Ils viennent par là. Ah non, d'accord, il est là-bas. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer cela. Je vais leur dire de passer de traviole. Et là... Je leur demandais de se foutre de traviole aussi, mais un peu... peu différemment. Oh, ça coule bien là. Ça coule très bien même. Puissance de feu parée. Prêt à recevoir vos ordres. Allez, on va s'avancer. Préparez les rames. Bon, eux ils sont à l'envers comme d'hab, donc je vais les emmener plus loin, je vais leur faire demi-tour, enfin la classique quoi. Lui aussi, il veut pas se remettre droit. Hop hop hop. Je vais mettre comme ça. Hop, et toi voilà. Là plutôt. On va leur demander de se replacer comme il faut. Dommage. Peut-être les autres. Yes. Bien joué les gars. Mais ils ont pas l'air pressés là-bas. Ça me va, en plus ce sont des unités à distance, donc s'ils peuvent éviter... Ah bah super, ouais, vous êtes très bien placés les mecs. Rien à dire. Totalement de traviole là. Ok, on en a déjà coulé deux. Pourquoi ils bougent pas? Ah, ils doivent essayer de... Ils doivent attendre un regroupement. Voilà, et là où le regroupement est plus possible parce que bah, y a plus d'unité, il va commencer à me foncer dessus. Ok. Spam, pam, pam. Oh, ça a bien touché là. Lui, il est bien en train de cramer. Navire d'artillerie au rapport. On leur donne un coup de main. Ah bah, pas besoin. Même pas besoin. Impeccable. Et là, il n'y a plus qu'à terminer celui-là. Coucou. Pfioum. Parfait. Parfait. C'est bien ce genre de petite bataille là. Hein? On a vraiment quelques unités bien entraînées en plus. Un rang 6. Rang 6, rang 6, 6, 6. 5, 5. 4, 4, 4. 3, 2, 2, 1. On est bien. Hein? Ah, 2 aussi. Pas besoin, il n'y a pas de captif. Il n'y a plus personne à ma commande. Ils sont envoyés. Acidamus. Pourquoi je l'aurais une troupe Acidamus? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Là on continue le siège, c'est très bien. Ici je comprends pas, il y a encore des survivants. Bah j'ai tout coulé. Ah, c'était pas leur armée de garnison. Bon, on va continuer l'encerclement.
Ok, autant pour moi, je me suis trompé. Yep. Alors. Comment puis-je vous aider? L'ennemi ne doit jamais se reposer. On rallie les esclaves. Bien joué à toi. Il est pas mauvais, hein, quand même. Hein. Il a un bon taux de réussite jusque-là. Alors que ça continue. Amiral. Hop, stratège. Pour pouvoir avoir plus de déplacement. À ce niveau-là, c'est bon. Continuer. On va continuer tranquillou. Il faudrait que je regarde, tiens, au niveau des objectifs, où est-ce que j'en suis? Non, toujours pas. Ah! Bah alors, gousi gousi. Oh, tu sais quoi, on va le jouer en manuel. Juste pour le fun, j'ai envie de la jouer en manuel. Ok, ah, on a un bon placement de nos troupes. Voilà, je mets ça derrière. Je mets les chiens devant. On va peut-être étendre. Hop là. La cavalerie, elle est bien sur les côtés. Bah, c'est très bien ça. Elle est où ma... Ils sont où mes triaries? Ah, la triarie par contre. Ah, tu sais quoi, au cas où, je suis défensive. Je ne me considère pas digne de commander. Ah, vous posez pas le genou à terre, vous, devant, avec la tortue défensive. Mais parce que je suis un vainqueur. Là-dessus, je suis comme tout autre. Ok. Ah, voilà, je me disais. La victoire à la défaite. Aujourd'hui, je me le disais aussi. Voilà, là, on en profite, hein, ça balance des cailloux. Non, pas intéressant. Voilà. Ça fait des dégâts. Ça va lui faire prendre de l'expérience en plus, c'est vraiment parfait. Allez, on accélère. On accélère et je vais même changer un peu là. Je vais élargir à un pouya, pas beaucoup, vraiment un pouya. Alors, plus sur ce côté-là apparemment. Pour les pilums. Purement une histoire de pilum. Pour les projectiles. Pour faire simple. Oh bah. Les javelots. Leurs javelots, ils sont pas contents là. Ah bah ils sont déjà barrés, très bien. Ciao les mecs. Ah mais en même temps 42 sur 120. Ils ont pris tarif. Hop là, allez, on fait reculer nos les unités. Enfin, on lance les chiens, on lâche les chiens et on fait reculer le reste. Les javelots, ils vont prendre bah, la charge de chien. Enfin, la charge. Ils vont prendre des toutous en pleine poire, là, ça va pas leur faire du bien. Et surtout, ils devraient pas trop m'embêter. Bah, les pertes, là, ils ont pas aimé. Oh, ils ont pas aimé la blague. Et là, il y en a, il s'est pris un caillou, là. Il a pas aimé la blague non plus. Hein. Oh la vache. Javelot maintenant, il y a quelques javelots devant, mais... Voilà, j'ai les pilums, ils vont balancer leurs pilums, pareil pour les hoplites, hop là, ouf. Voilà, la plèbe, là, elle prend tarif. Ça, je mets, cesser le feu. J'ai pas envie d'avoir de tirs alliés. Hop, la cavalerie sur les deux côtés, sur les deux flancs. Et la cavalerie qui va bien charger le général. À toutes mes unités, cessez le feu à volonté.
bonne charge sur les flancs là, des hoplites, ça leur fait jamais du bien moralement. Il n'y a plus qu'à accélérer et c'est finito, pipo. Combien de pertes? Une. Oh! Oh mince, hein. Une perte près, j'arrive à faire un parfait. Oh le pauvre, le seul qui s'est fait tuer quoi. Oh, il doit avoir le seum. Il doit être triste. Ah ouais, mais là, d'une puissance. Ah, tu m'étonnes en même temps. 932 pour 1. C'est bon, un beau ratio. On va occuper ma commade. Et on va se laisser ici pour... Oh non! Pour l'épisode d'aujourd'hui. Épidémie? Je m'en fous, c'est pas bon. Et faction rencontrée, les Nazamon. Ok, pourquoi pas. Comment on s'entend avec eux? Pas ouf, hein. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Moi, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode et la prise de Garama. Et aussi, décider de ce qu'on fera par la suite. Je vous dis à très bientôt. C'était Thiob.